inaugurée en février, la nouvelle aérogare de Carpiquet. Des évasions à notre porte. On est sur la sortie de secours. Hein.
Voilà. Parce qu'elle part 3 mois en été, en été. Juin, juillet, août. Jusqu'au l'automne. Le palais royal. Ça a changé tout de suite. Oui. Vous nous arrêterez à la place Vigna et Sna. Oui. Et on ira à un café. D'accord. Pas loin d'un café. Pas loin d'un café. D'accord.
Ah oui. T'as fini ? Il est au centre du plateau du Houz, un plateau de 633 000 hectares. Derrière là-bas, il y a la station disque de Kembu. Voilà. Du 4-4-20. Oui. C'est jamais en panne. Ouais. Il y a les pailles dedans. Dodo le placé qu'il est à dos de l'enlève. نحن هضرنا لك معاه وصل عندي زيد ان شاء الله Sinu el mahbul, sinu
Quand il neige, je sens obligé de balayer ou de déblayer la neige sur les rues. Elle va commencer tantôt à vous préparer le thé à la menthe. On dit le thé plus la menthe. Et le sucre, on l'achète en pain et on le casse. Le sucre, on achète des pains de sucre de 2 kg et on le casse. Mais une fois qu'il est en train de préparer ce thé, quand il fait descendre le morceau dans la terre, vous allez croire qu'il est trop sucré. Non, parce qu'ils savent bien la dose qu'il faut mettre pour chaque thé. Ça dépend de la dimension, ça dépend du sucre, parce que c'est une tradition. Donc, ce qu'on fait chaque jour, donc on est habitué à la dose qu'il faut mettre, que ce soit du sucre ou du thé, ou même de l'amande. Le roi, les princes, qui ont le privilège de prendre cette boisson. La disparition de la canne à sucre et le coton. Donc, le thé à la menthe, c'est un produit ici qui fait réunir les gens. Tout ça se passe autour de la table du thé à la menthe. Les discussions, que ce soit pour arranger un problème entre les voisins, que ce soit pour l'achat, la vente, les mariages, etc. On peut acheter tout bois. Travailler pendant toute la durée de la construction de la maison jusqu'à ce qu'il vienne sans travailler, loger, nourrir de n'importe quel lieu seul. C'est pour faire des cures et pour avoir ce qu'on appelle la baraka. Donc on va faire une petite promenade pour ce village qui est resté intact, qui est toujours typique. Et après on va continuer pour traverser le plateau du Tigre. Situé à 1600 mètres d'altitude, on va descendre de l'autre côté de la montagne pour le déjeuner. Après le déjeuner, on va passer du côté du barrage, le barrage Cavanière pour le barrage du Lourdes-Fils, et on rentre à l'hôtel. Et cette pause dans cette maison de danse. Thank you.
Pourquoi peux-tu les reconnaître? J'ai compris. Ils doivent chanter la navarre. Le palais de la Baïa, construit à la fin du XIXe siècle, demeure gigantesque du vizir Bah Ahmed, de ses 4 femmes et 24 concubines. La symétrique, oui, toujours. C'est parce que le meilleur sécurité de la ville à la maison, c'était la symétrique. La symétrique, c'est un labyrinthe. Hein? Il est particulier celui-là. Donc là, c'était le jardin qui a été réservé seulement pour les femmes. Donc là, on dit toujours jardin style andalou. La maison Tiskiwin, de style hispano-mauresque, présente matières et objets des régions. Zafran ici, madame, tu sais ça peut fonctionner aussi dans le mélard, 60 grammes le kilo. Le kilo? Pas comme les autres, tu vois, plaisir? Oui. Bien? Oui. Voilà les gens chers ici. Il bon, y en a deux Tu peux voir le pain, viens. Tu le coupes. Je t'en coupe un morceau. Oui. Il est jaune comme hier. Oui, un peu moins. Alors ça c'est le hors d'œuvre pour une personne. Oui. Il y a un peu de tout. Salade marocaine, oui. Je t'en fais des courgettes comme ça en salade. Mm-hmm. Parce que ça fait une entrée sans légumes. Ça croustille. Ça croustille. La Madersa Ben Youssef, université coranique, abrita jusqu'à 900 étudiants. C'était bien, c'était fun, une chambre d'étudiants. Oui. Je ne vois pas le visage. Je te montre pas là. Oui.
Thank you.
Non. Trop tard. Ils ont bien tiré. Quand ils feront escale à Strasbourg, que nous atteindrons à 3h20 de vol.